Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la lampe LED plafonnier d'appoint que j'ai acheté à Leroy Merlin, qui mérite une petite vidéo test aussi. Alors, la marque, c'est Müller-Litch International GmbH, donc Allemagne. Elle fait 100 lumens de puissance, ce qui est plutôt pas mal. Consommation 1,5 W. En recharge, bon là, elle est en train de recharger justement. Il y a la petite lampe rouge là, qui indique qu'elle charge avec ma batterie externe comme d'hab. Alors elle se lance pas toute seule, il faut activer la batterie externe parce qu'elle n'a pas la reconnaissance intelligente, la lampe, hein, logique. Pour le prix 13 euros, c'est un peu normal. Alors après, en autonomie, a priori, je dirais qu'elle est capable de faire entre une demi-heure et 45 minutes. Je sais pas exactement encore combien, je regarderai ça plus attentivement. Mais sinon, non, ça marche pas mal, hein. Alors il y a un truc qui est pratique dessus, c'est qu'elle est capable de s'allumer en mode, soit en mode allumé tout court, soit 3 minutes, soit un quart d'heure. Ce qui est plutôt pratique, c'est-à-dire qu'on peut l'activer et au bout de 3 minutes ou un quart d'heure, elle s'éteindra toute seule sans qu'on ait besoin de se relever ou quoi que ce soit. Ça c'est plutôt une bonne idée, c'est bien pensé. Sinon bah en éclairage c'est plutôt pas mal, hein, 100 lumens, surtout en milieu restreint, donc que ça soit une tente, un camion ou quoi que ce soit, c'est plutôt bien. Ça suffit déjà pas mal à éclairer au moins la moitié du camion, de haut en bas, sachant que c'est livré avec des aimants, des autocollants, un peu tout. Donc on peut du coup, bah, dans un fourgon avec plein de fer un peu partout, on peut la poser un peu n'importe où, hein. Donc ça c'est bien, et bon, bah, pour l'instant je l'ai depuis une semaine, donc je sais pas encore si elle va être fiable avec le temps, mais bon, pour 13 euros, c'est plutôt pas mal, ouais. Après, niveau comment dire, niveau autonomie, c'est vrai que c'est pas énorme. Bon, elle est super légère, hein, donc faut pas rêver. Les accus sont franchement petits. Même si c'est de la LED, du coup, l'autonomie n'est pas non plus exceptionnelle, quoi. Sinon, en recharge, je pense qu'elle met à peu près, ouais, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, pareil, quoi, en gros. Donc voilà. Non, sinon, bah, si vous avez besoin de ce genre de produit à Leroy Merlin pour 13 euros. Alors elle a pas spécialement de nom de modèle, je crois pas. Vous verrez par rapport à la tronche qu'elle a, quoi. Et effectivement, bah, ça marche plutôt bien, quoi. Voilà, une idée lampe pas chère et plutôt sympa. À plus tard, salut.